présence pour cette 8e épreuve, le prix Hippodrome de Tarbes, un excellent départ pour Victor Bach, le meilleur, sur à la sortie du premier tournant, Elder, en 3e position, galop Arabesque du Péra. En 4e position, à une longueur, se trouve ensuite Vapor. D'ailleurs, Vapor n'a plus en longueur, et Ryan en compagnie de Véro-Gouperrier. Ils sont dans la ligne opposée sous la conduite de Victor qui a l'avantage d'une bonne longueur et demie. Elder qui reste en 2e position, en 3e position, beaucoup plus loin. Il a encore ensuite Vapor devant Arabesque du Péra, le bout de la ligne opposée. Victova et Alcatao Galop qui a le meilleur et qui possède une longueur Elder. Elder qui est monté par Jordan Majorfique en 3e position. Vapor qui voulait à l'arbre rapide, centimètre après centimètre. En 4e position, Alice Sicre et Arabesque du Péra. Ils sont d'amis tournant final, toujours sous la conduite de Victova et Elder. Ces derniers semblent attendre son heure. En 3e position à quelques longueurs, Vapor. Pour aborder l'ultime du droit, Victova qui a toujours l'avantage avec Agatha et Romain Ancel. Et qui possède Elder qui maintenant fait son effort en pleine piste et bien attaqué. Avec Ancel, le Jordan Major Hill. Toujours Victova qui a l'avantage sur Elder qui voit la Vapor. Deux sont maintenant assemblés de l'arrivée. Et c'est Victova qui leur a fait de bout en bout la deuxième place qui va revenir à Elder. La troisième sera en très étroite ensuite pour Vapor. Pour la quatrième, c'est Arabesque du Péra qui va venir la prendre. La cinquième place devrait, dans le lointain, revenir à Véronique Périgé. Et c'est donc Eragon qui se classera sixième. Regarde le poney, il regarde le portail, le poney, regarde. Regarde, il sert. Et l'autre, oh là là, regarde, non mais elle fait le rodéo, regarde, il va tout mouer.